fait donc du bien d'être tranquille comme ça le matin. Tu trouves pas, mon Léon? Oh. Il n'y a rien de mieux que de commencer la journée dans le calme et la tranquillité. Qu'est-ce que tu disais, Violette? Je parlais du calme et de... c'est bon, là! Il faut pas que tu te fasses attraper, lui, hein? Un instant, jeune homme. Qu'est-ce qu'il y a? La télévision. Mais oui, je sais, c'est pour ça qu'il faut que je... Le volume est beaucoup trop élevé. Oh. On peut regarder la télévision sans faire sauter toute la maison. Ici, chez les Brizards, le matin, on ne veut pas entendre de bruit. Mais je sais. Tu veux regarder la télé, tu sais très bien que tu dois le faire à bas volume. Mais je sais ça, papa. Mais quand je baisse le volume, j'entends plus les effets spéciaux. Moi, ce sont les effets spéciaux qui me mettent les nerfs en boule le matin. Je peux pas avoir la permission de monter le volume à un poil de plus? Non, la loi, c'est la loi. Si on cède d'un poil, on sait pas ce qui peut arriver. Si on te laisse un poil, tu vas vouloir avoir toutes les perruques de ta mère. Mes perruques? Tu sais bien que je plaisantais, Violette. Mais je suis sérieux, Robin. Oh, bon, d'accord, je vais baisser le volume. Vous allez être content, là? Une minute, Robin! Où vas-tu avec ces biscuits? Mais oui, mais tu le sais, là! Ici, mon... chez les Brizards, on mange à la table. Mais oui, mais je vais tout manquer mon émission! Oh, maman, je t'en supplie! Je vais faire attention, j'en échapperai pas une miette. Puis si j'en échappe une miette, là, je vais la ramasser, t'inquiète pas. Rien à faire, Robin Brizard, la loi, c'est la loi. Si on cède d'une miette de biscuits, on sait pas ce qui peut arriver. Et puis, on mange dans le salon seulement quand il y a des occasions spéciales. Mais c'en est une, là! Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est moi. C'est moi qui décide quand il y a une occasion spéciale. Mais puisque c'est comme ça, je mangerai tout à l'heure. J'ai pas envie de manquer la suite, moi. Un instant, là. C'est pas un déjeuner des biscuits. Ici, chez les Brizards, on mange sainement. Mais oui, en venant, je vais manger un fruit. Oh, faut toujours que vous décidiez. J'aimerais ça pouvoir dire mon mot des fois. Non, mais as-tu vu ça, Violette? Oh, je le sais. Ouf, on a assez de difficultés avec cet enfant-là depuis quelque temps. Non, je te parle. Oui, il discute toutes nos décisions. Pour moi, ça, c'est l'influence de Stella encore. Oui, Violette, mais je te parle pas de ça. Je te demande si t'as vu l'annonce dans le journal. Quelle annonce? Écoute, il y a un concours permettant de gagner une croisière dans les îles grecques sur le fameux bateau Xénophobe Poulos. Pour y participer, c'est simple. Il suffit d'évaluer le nombre de balles de ping-pong que contient la grosse boîte vitrée se trouvant dans le Centre commercial national. Ça, c'est ma spécialité. Chez les Brizards, on sait compter. Hé! Hé là, papa, ici! Oh, oh! C'est toute une boîte, mon Robin. Mm-hmm. Un instant, c'est sérieux, c'est très sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Je vais agir en homme intelligent et scientifique. C'est facile, il faut être méthodique. Toi, Robin, monte la garde. Je veux pas qu'un hurluberlu copie mon truc. Des fois, là, je trouve ça compliqué d'essayer de gagner quelque chose, moi. Surtout quand il faut mesurer. Laisse faire tes petites opinions, Robin. Tu vas voir que j'ai raison. Archimède aurait fait la même chose que moi. C'est qui, ce Archimède? Archimède, c'est un savant grec de l'Antiquité qui avait des principes et qui prenait son bain une fois de temps en temps. Bon, bien vite, maintenant, il faut prendre les coupons de participation. Oui. Tiens. Pas juste, hein? Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Regarde donc ça, Stella. Wow. Je savais qu'on recyclait les vieux journaux, les boîtes de plastique, les bouteilles, mais je savais pas qu'on recyclait les balles de ping-pong. Mais non, c'est pas ça. Non. C'est écrit que si tu réussis à deviner le nombre exact de balles de ping-pong qu'il y a dans cette boîte-là, tu peux gagner une croisière en Grèce pour deux couples. Wow! Je vois pas comment on peut trouver ça. Ah, c'est ça. Ah, tu prends un coupon? Oui, bien, c'est le dernier. Je suis chanceux. Ouais. Allez. Alors, ça vient? Oui, tiens. J'ai trouvé. J'étais dans le fond de mon cheval. Ouais, pour moi, elle a dû galoper pas mal parce qu'elle est cabossée. Enfin, j'espère que ça faussera pas mes calculs. Pourquoi t'avais absolument besoin d'une balle de ping-pong? C'est simple, c'est une méthode rigoureusement scientifique. Il suffit de calculer le volume de la balle, puis le volume de la boîte, puis de diviser le nombre de centimètres cubes de la boîte par le nombre de centimètres cubes de la balle. Et là... T'es sûr que ça va fonctionner?
T'as pas confiance en moi, Robin? Pourtant, c'est une équation ordinaire. Il suffit de calculer le volume de la balle. J'ai hâte de voir ça, moi! C'est simple comme un jeu d'enfant. Tu lui expliqueras, Robin. Mais c'est que j'ai pas vraiment compris moi-même. Bon, une chance qu'il y a quelqu'un ici qui a la bosse des mathématiques. Enfin, je te demanderais de garder le silence parce que j'aimerais ça me concentrer. Bon. 680? D'après moi, c'est probablement plus que ça. Ah oui? 690! Oh, plus que ça, plus que ça. En tout cas, ma petite poutine, si jamais on gagne, on va se taper toute une croisière. Mais je crois pas qu'on ait des chances. C'est dommage. Moi, là, j'aurais aimé ça y aller avec toi. Peux-tu me dire quelle idée ils ont de faire des convos qui s'adressent seulement aux adultes? Je suis sûre d'avoir 18 ans. Jette donc ça, ces coupons-là, celle-là. On n'a pas de chance. Non, mais il faut que tu participes, toi, papa. On sait jamais. Ah, ben, si ça peut te faire plaisir. Oui. Disons 9836. 9836. Faut que t'exagères un peu. Oh, peut-être. Bon, disons 9835. Bon. 9835. Non, 9837. Oh, puis, disons... Non. Bon, hein, décide-toi, là, c'est ta dernière chance, hein? Parce que moi, là, si j'efface encore une fois, là, je vais faire un trou dans le... Oh, 9833. T'es sûr? Ah, oh, je suis sûr. Sûr qu'on n'a pas de chance. Bon. Oh, Léon! Faut que tu trouves plus vite. La cervelle va t'exploser! Hein? Eureka! C'est ça ta réponse? Eh non, ça veut dire j'ai trouvé, c'est le cri d'Archimède. Oh, pas encore lui. Et Léon Brizard a trouvé. La réponse est exactement 6 389 833. Toute la famille à vos crayons, on remplit les coupons. Des fois, je me demande où tu vas chercher ça. Dans ma cabane à moineaux. Oh. Tenez, avant de vous aider à remplir les coupons, je vais aller appeler M. Tapon. Ton patron? Tu veux lui donner ta réponse? Pas du tout. Je vais juste l'avertir qu'il y a de grandes chances que je prenne congé la semaine prochaine. Oh! Moi, là, je suis pas tellement bon en calcul, hein. Mais il me semble qu'une boîte comme celle qu'on a vue peut pas contenir 6 millions de boîtes de balles de ping-pong. Ben, oublie pas, Robin, que ton père a procédé par méthode scientifiquement rigoureuse, hein. Je pense, pourquoi il faut remplir autant de coupons? C'est celui qui a la bonne réponse qui gagne, c'est pas des billets tirés au hasard. C'est vrai, t'as parfaitement raison. Mais ça fait tellement plaisir à ton père, hein? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici enfin l'heure du résultat du concours du Centre commercial national. Venez-vous-en, ils vont donner le nom du gagnant. C'est donc excitant, les concours! Chut, on écoute, là! Bon, tout le monde est là? Voici maintenant le nom de l'heureux gagnant qui mérite une croisière pour deux couples dans les îles grecques sur le navire Xénophobe Boulos! Est-ce que c'est là que vit Archimède? On en reparlera, là! C'est ça, plus tard. Pour le moment, je poursuis. Attention! Je dois avouer qu'à l'agence de voyage, on ne s'attendait pas à ce que quelqu'un devine juste. L'heureux gagnant est un homme répondant au nom de... Monsieur, la blessure! Le père de Stella? Mais silence! C'est impossible! Vous allez voir, elle va dire qu'elle s'est trompée. Oh non. Monsieur Franker a bel et bien deviné que la boîte contenait exactement 9833 balles de ping-pong. Et non pas 6 389 833, comme un participant dont nous tairons le nom l'a inscrit sur les 9833 coupons qu'il nous a envoyés. Pas plaisante, j'espère? Je plaisantais, bien sûr. Félicitations à notre gagnant qui doit sauter au plafond. Oh. Oh, bien. Félicitations, Conrad. Ah, oh, ben merci, c'est vrai que je suis chanceux, mais ça m'arrive pas souvent, hein. Hey, Conrad, comment t'as fait pour savoir qu'il y avait 9833 balles dans la boîte? Quelle boîte?
9833 balles? Ben oui, les balles de ping-pong, voyons. Oui, dans la boîte du centre commercial, là. Vous avez gagné? J'ai gagné. Mais oui, vous avez gagné. Ah, oh, les balles. Oui. Oui. Youpi! Oh! Est-ce que j'ai bien entendu ou bien j'ai rêvé? Non, non, t'as bien entendu. Wow, c'est un vrai rêve! Bon, mais je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous laisser à vos réjouissances. Hey, est-ce que je peux rester encore un peu? Non, non, faut pas déranger les grands gagnants. Là. Ben, merci encore une fois. Hein? Oh, c'est toi, Doris. Doris. Oui, mon amour. Je vais y parler. T'écoutais la radio. Je comprends pas. Je vois pas où j'ai fait l'erreur. Pourtant, j'avais les bons chiffres. Voyons, mon Léon. Pense plus à ça, là. Prends-en ton parti. T'as pas gagné, t'as pas gagné. Mais j'aurais pu. C'est pas normal, Violette. J'aurais dû gagner. Oh, dire que j'aurais pu traîner mon nouveau maillot de bain. Tourne pas le fer dans la plaie. Oh, ça doit être la balle cabossée de Robin qui a tout faussé mes calculs. Dérange-toi pas. J'y vais. Allô? Bonjour, Stella. Bonjour, Monsieur Lablessure. Bonjour, Violette. Est-ce que tu penses que je pourrais parler à Léon? Et moi, Robin? Oui, oui, il est dans sa chambre. Bonjour, Conrad. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Tiens. Merci, c'est gentil. C'est une blague, mon Léon. En fait, je suis ici parce que Doris et moi, on a eu l'idée de vous inviter à faire la croisière en Grèce avec nous. Nous? Mais pourquoi nous? Vous pourriez demander à Darius? Un voyage à Darius? Mais Darius est toujours en voyage, puis présentement, il est encore parti. Hé! Hey, il paraît que vous allez en Grèce? Eh bien... Oui. Pas de discussion. On part. Léon, Violette, Doris et moi. Demain matin. Yeah! Comment vous remercier? Oh. Tu vas leur demander, hein? Oh oui, j'espère qu'ils vont vouloir. Il faut rien oublier, hein? Compte sur moi! Papa, maman, j'ai pensé à... Bien, nous, Robin, on doit penser à tout. Je suis certaine qu'on va oublier quelque chose d'important. C'est parce que je voulais vous demander si... Faut procéder avec méthode. D'abord, dresser une liste des choses à apporter. Mais je voulais vous demander... Mais quel temps il fait, là-bas? Je vais vérifier dans mon encyclopédie. Écoutez, j'ai pensé que... Tu devrais regarder en même temps si on n'a pas besoin de vaccins, hein? Mais... Ben, des vaccins? Il y a des choses beaucoup plus importantes. Les passeports, Violette. As-tu pensé aux passeports? Oh! Calmez-vous! Vous allez devenir complètement fou. T'as raison, Robin. On est fous de joie à l'idée de partir! Oui, si jamais je vois un requin, là, je lui fais le ménage. Je veux dire, le message. Je t'envoie une carte postale. Salut, le torse. Ah, je vais appeler maintenant Tarzan la babine. Hein? Tarzan la babine? Tu penses qu'il va venir t'aider à faire tes valises? Ah oui, c'est un spécialiste de la prise du petit paquet, mais je crois pas qu'il vienne m'aider. Papa, t'es pas sérieux? Hein? Tu pars demain et tes bagages sont même pas prêts. Oui, mais j'ai le temps. Non, pas tant que ça. Je vais t'aider, moi, à les faire, tes bagages. Hein? Non! Oh, Tarzan! Oui! Tu réponds plus en faisant ton cri. Pardon, madame. Je croyais que c'était Tarzan la babine. Tes petites culottes? Tes petites culottes? Non, les tiennes, Léon. Donc, les petites culottes de Léon? Écoutez, j'ai une idée. Léon? Je sais pas si, Quoi? On a fait un oubli majeur. Attends, Violette, on n'a pas encore vérifié tout ce qu'il y avait sur la liste. Non, 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 c'est pas au sujet de la valise. Qui est-ce qui va s'occuper de Robin? C'est le cas de le dire, Violette, ce voyage-là est en train de nous faire perdre la tête. Non, 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 faites-en pas, j'ai tout prévu. Depuis tantôt que j'essaie de vous en parler, je vais aller rester chez Stella. Chez Stella? Il n'y en est pas question. Darius n'est même pas là. Ben, puis forcément, Conrad ne sera pas là non plus. Mais Rock va nous garder, lui. Rock? Ben, non, non, Rock n'est pas assez sérieux. Pas assez mature. On pourrait pas partir la tête en paix. Ben non. Et Rock, là, il est sérieux quand il veut. Non, non, Rock est trop... Il est trop... Il est trop rock... rock and roll. Est-ce qu'il est là, le Zaza? Zaza le zombie? Non? Vous lui ferez un message. Oui. Dites-lui que j'ai gagné. Non, 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 pas un au combat. Dites-lui que j'ai deviné le nombre exact de balles de ping-pong. C'est ça. Merci. Ça va mal. Tes tiroirs sont vides, tout ton linge est au lavage. Ah.
Tu t'énerves pour rien, Stella. Après tout, là, une croisière, c'est pas un défilé de mode, ça. Je vais y aller habillée comme ça, c'est tout. Oui, il y a quelque chose qui va pas. Ça va très, très, très mal. Hein? Ton linge est au lavage, toi aussi. Non, pire. Violette est en train de faire des téléphones pour trouver une gardienne. Si on trouve personne pour garder Robin, on pourra pas y aller. Vraiment. Je sais pas ce que j'ai dans la tête, moi. C'est ça que je me demande. Le problème avec mon père, là, c'est qu'il a oublié de laver son linge. Mais non, Stella. Il faut que j'atterrisse, moi. C'est la première chose à laquelle j'aurais dû penser. Léon a raison. Faut que je trouve une gardienne, puis ça coûte des sous, ça. Oh. J'espère que ça va s'arranger. Gardienne. Léon, on peut pas dire qu'on est tellement chanceux, hein? Ça fait 3 candidates qu'on rencontre, il y en a pas une qui fait l'affaire. Celle qui avait des grosses lunettes, Mickey Mouse, là, elle avait l'air sympathique, hein? En tout cas, on n'est jamais trop difficile quand il s'agit de s'occuper de nos enfants, hein? C'est décourageant. Mais moi, j'ai bon espoir que la candidate qui s'en vient sera la bonne. C'est une dame qu'une amie m'a fortement recommandée, hein? En passant, là, je vous trouve très gentil d'accepter que Stella se fasse garder avec Robin. Comme ça, ça va nous permettre de partager les frais. Je veux pas entendre parler d'argent. C'est nous qui allons payer la gardienne. C'est bien la moindre des choses, après le cadeau que tu nous as fait. Mais ça, c'est sûr. Monsieur la blessure. Je vous trouve bon aussi de poser des questions, hein, parce que moi, je sais jamais quoi dire dans ces moments-là. J'y vais. Vous allez voir. On va savoir tout de suite si elle est bonne. Léon Brizard. Après. Alors voilà, c'est Madame Dufort, Monsieur Conrad Francoeur. Enchanté, madame. Enchanté, Violette, mon épouse. Ça me fait plaisir. Mais tout le plaisir est pour moi, madame. Si vous voulez vous asseoir. Permettez-moi de vous poser une première question. Advenant le cas où un enfant se blesse, comment réagissez-vous? Oh! T'as vu qui décide tout, hein? Mes parents. C'est vrai. Ils t'écoutent pas beaucoup quand tu donnes ton opinion, hein? Et on dirait qu'ils sont dans la police. Une question attend pas l'autre. Aimez-vous les enfants? Aimez-vous les chiens? Aimez-vous les chats? Avez-vous peur quand le plancher craque la nuit? C'est normal qu'ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Mais oui, mais la gardienne, c'est pour nous. On n'a même pas le droit de dire notre mot. C'est vrai, ça. Moi aussi, j'aurais des questions à poser à une gardienne. Savez-vous raconter des histoires drôles? Êtes-vous capable de faire une culbute? Êtes-vous de bonne humeur? C'est toujours comme ça avec mes parents. Il faut toujours qu'ils décident tout. Oui, mais... Robin, depuis le temps qu'on se connaît, là, c'est la première fois que je vais coucher chez toi. C'est drôle, non? Oui, mais je sais pas si tu vas aimer ça, parce que il y a beaucoup plus de règlements que chez toi. Mais justement, c'est ça que je trouve amusant, moi. En tout cas, il y a des règlements que j'aimerais changer. Puis tu vas voir, dès qu'il va être parti, là, je vais manger à l'heure que je vais vouloir, puis je vais faire mes leçons, mes devoirs, quand ça va me tenter. Oh, oh, ça dépend, ça. De quoi? La gardienne. Elle te laissera peut-être pas faire. Tout à coup, tes parents engagent quelqu'un de très sévère, hein? Peut-être qu'avec elle, on va pouvoir faire des choses. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas juste. On a le même âge, puis t'as beaucoup plus de permission que moi. Ouais. Avant de te connaître, là, je savais pas que ça existait des familles comme la tienne. En tout cas, j'aime pas mal ça aller chez toi. Oui, mais tu sais, Robin, là, moi aussi, des fois, là, j'aimerais ça avoir une vie plus normale, comme la tienne. Avec un père, une mère, qui me dirait quoi faire. Avec des vrais repas à des heures fixes, là. Une maison, là, tout en ordre. Ah oui? Oui. Hé, on va écouter. On va voir ce qui se passe. Oui. Oh là là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis vous me le direz. Alors, merci beaucoup, Madame Dufort. On vous redonne des nouvelles. Merci. Au revoir, Monsieur Brizard. Au revoir. Et puis, qu'est-ce que t'en penses? Bien. Elle avait de bonnes manières, hein? Et de l'expérience et de bonnes références, ça compte, ça? Moi, j'ai tout de suite senti qu'elle aimait les enfants. Vous avez remarqué quand je lui ai posé ma seule et unique question. Aimez-vous la lutte? Elle m'a dit oui, puis moi, ça me va. Bien, finalement, je pense qu'on a trouvé une personne fiable. Il était temps, le départ est demain. Alors, on se retrouve demain matin? On va être là. Doris et moi, on vous attend. Bon, bien, bon voyage, puis inquiétez-vous pas pour moi. Pas si vite, Robin. On partira pas comme ça, là. J'ai le droit de vous souhaiter bon voyage quand même.
Comment ça se fait qu'elle arrive pas? Faut pas s'énerver, Violette. On l'avait convoquée pour 8 heures, là, puis il est seulement 7h55. C'est pas un peu long, ça, Léon? T'es déjà en train de m'écrire une lettre? Non, c'est pour Madame Dufort. Je lui ai dressé une liste des règlements en vigueur dans cette maison. Ce sont les règlements auxquels tu devras te soumettre, Robin. On connaît la chanson, le chat est parti, les souris dansent. Pourquoi? J'aurais pu lui dire, moi. Il n'y a pas question que pendant notre absence, tu règnes ici en roi et maître. Je sais très bien que tu peux abuser de Madame Dufort. Mais grâce à cette liste, elle va savoir exactement quoi faire. Déjeuner, dîner, souper, coucher, bain, devoir, à heure fixe? Ben, tu vois, j'ai rien oublié. Les heures de télévision, pas de bruit dans la maison, pas de nourriture dans le salon, une saine alimentation. Oh, et puis, je veux aussi que tu participes aux tâches ménagères. Bon. Et pas d'amis à part Stella dans la maison. Bon. Et pour finir, un petit NB. C'est quoi ça, NB? Ça veut dire, notez bien, toute désobéissance de Robin entraîne une punition. Mais les règlements, là, ils sont pires que d'habitude. Oh, justement, ça fait longtemps que je voulais vous en parler. Je suis plus un bébé, moi. Je voudrais qu'on en parle. C'est pas le moment de discuter. On verra ça plus tard. Oh. Oh. Salut, la compagnie! Oh. J'ai fait mes adieux adorés sur moi de mon père et me voilà! Salut. T'as vu un drôle d'air, toi? Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle arrive pas? Oh. Oh. Enfin! Oh, Madame Dufort, je vous présente Robin et Stella. Allô? Ah, c'est vous. Mais ils ont l'air sages comme des images. Oh, faut pas se fier aux apparences, Madame Dufort. C'est pourquoi je vous ai écrit une liste des règlements dans la maison. Ah, bon. J'aimerais que ce soit bien observé. Je vais regarder ça. Bon, eh bien, nous, il faut y aller, hein? Ah, je suis contente. Finalement, là, ça se passe bien, hein, Stella? Oh oui, c'est génial! Et il faudrait pas que mes parents nous voient. Oh non, hein? Aïe, aïe! Hé, hey, as-tu vu? J'ai même pas été obligée de terminer mes légumes. Hmm. Je veux seulement expliquer que j'aimais pas ça, les navets. Et on va même essayer de se coucher plus tard que prévu. Ah, finalement, c'est pas tellement différent de chez moi. Non, on est pas mal libre, hein? Ah ouais. Je vais essayer quelque chose. Ah oui? Oui. Oh, moi aussi. Oh non, oh yeah! Oh wow! Elle trouve pas que t'exagères un petit peu? Non, non. Bon, c'est dedans, mes chouchous. Vous trouvez pas que vous avez assez regardé la télévision pour aujourd'hui? Non, non, je la regarde le lundi, le mercredi, le vendredi. Parce que ce sont les jours de mes émissions préférées. Puis finalement, au bout de la ligne, là, ça fait pas tellement d'heures. Ah non. Et vos devoirs? Y avez-vous pensé, mes chouchous? Oh, mais on en a presque pas à faire. On va les faire après. Oh oui? Je comprends. Mais vous trouvez pas que c'est un peu fort? Quoi? Le son de la télévision est un peu trop fort. Non, 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 non. C'est parce que moi, je suis un peu dure d'oreille. Ah bon? Ben, si c'est comme ça, il vaut mieux comprendre ce qu'il se dit. Ben oui! Mais tu devrais quand même aller voir un spécialiste pour... Ah ouais, spécialiste, ouais. T'as vu? Elle a même pas remarqué qu'on mangeait dans le salon. Ben, peut-être qu'elle aime ça manger dans le salon, elle aussi. Et c'est là? Ouais. C'est merveilleux. Ça, c'est des vacances, hein? Ouais. On va en faire des choses, on va faire plein de choses qu'on aime. Oh oui. C'est le temps ou jamais de réaliser le plus beau rêve de ma vie. Lequel? J'ai jamais fait de fête chez moi. Je veux organiser une fête avec plein d'amis. Wow! Génial! Tu vas m'aider? Ha! Bien sûr! Robin et Stella se la coule douce avec la gardienne, car elle assouplit beaucoup les règlements de Léon. Il faut dire que Robin en a assez de certaines habitudes familiales, d'autant plus qu'il ne réussit jamais à ce qu'on tienne compte de son avis. Avouons qu'il n'avait pas choisi le bon moment pour en discuter. Maintenant que ses parents sont en croisière, réussira-t-il à faire sa super fête? C'est ce que nous saurons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Nous avons vu le Centre commercial national organiser un concours et c'est Conrad qui gagne une croisière en Grèce pour 4 personnes. Bon cœur, Doris et lui invitent Violette et Léon à les accompagner.
Il n'a pas été facile de trouver une gardienne. Mais pour Robin, le pire, c'est que Léon laisse une longue liste de règlements. Heureusement, Madame Dufort est très douce et compréhensive. Robin veut donc profiter de l'occasion et organiser une fête. Voyons vite la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Bonjour, madame. Est-ce que Stella est revenue de l'école? Oui, je vais aller la chercher. Là, Stella, écoute, ça me gêne un peu de devoir te rappeler une chose. Sur la liste de règlements que m'a laissé M. Brizard, il est écrit que vous ne devez pas recevoir d'amis. Mais non, mais Rock, c'est pas pareil, c'est mon frère. Est-ce que c'est écrit quelque part que j'ai pas le droit de voir mon frère? Non, j'avoue que non. Mais c'est vrai qu'un frère, c'est pas pareil. Mais non! D'accord, chouchou, tu peux le recevoir. Merci. Ah, wow, allô! Hey, c'est toi. Puis, as-tu des nouvelles de papa? Non, mais pour cette question-là, t'avais pas besoin de me faire venir ici, hein? Au téléphone, ça faisait. Non. J'ai pas rien que ça à faire, moi, dans la vie, me promener d'une maison à l'autre. Non, mais je sais. Ah, alors, c'est parce que Robin et moi, on a eu une idée géniale hier soir. On est en train d'organiser une super fête. Une fête ici? Oui, c'est parce que Robin, là, il peut jamais en faire de fête chez lui, hein? C'est le rêve de sa vie, tu comprends? Alors, il veut en profiter pendant que ses parents sont partis. Ah, ben t'as mieux pour lui. Salut. Non, attends. J'ai une faveur à te demander. Une faveur? Ça dépend quoi? Oh, oui. J'aimerais ça que tu te charges de la musique. Tu pourrais apporter des disques ou même mieux, tu pourrais venir en personne et nous jouer du clavier. Ouais, ouais. J'ai un de mes amis qui a une discothèque roulante, je pourrais lui emprunter ses grosses boîtes de son. Ah, je savais que t'aurais une idée géniale, toi aussi. C'est quand la fête? Demain. OK. Laisse-moi faire Stella, je vais m'occuper de tout. OK. On va dire OK. Salut. Ah, génial. Waouh! Hey, j'ai tellement fait d'appels, j'en ai mal aux oreilles. Oui? Oui. Avec Rock, ça marche? Ah oui? Oui. Et regarde, on sera pas tout seul, hein? Oh, wow. Tout le monde a accepté. Les amis du club, les amis de la classe, on va être une quinzaine. Mais il y a quelque chose qui me chicote, Robin. Il me semble qu'on devrait avertir Madame Dufort. Hey, non. J'ai trop peur qu'elle refuse. Quand tout le monde va être arrivé, là, elle est gentille, elle va comprendre, alors elle aura pas le cœur d'y mettre à la porte. Ah, J'espère. Oh! Et puis, mon bichon, le voyage en avion, tu l'as pas trouvé trop difficile? À part le décollage, l'atterrissage, puis tout le temps qu'on était dans les airs, ça a bien été. Mais je me demande pourquoi il faut prendre l'avion pour aller en croisière. Ben, c'est toujours comme ça. Il faut prendre l'avion pour se rendre au port d'attache du paquebot. Monsieur Tapon, mon patron, a pris l'avion pour sa croisière en Alaska. Pauvre bichon. À un moment donné, là, j'ai cru que t'avais vraiment peur. Ouais, juste un peu peur. Oh! On est sur le bateau et c'est merveilleux! Ça veut dire que la croisière commence maintenant! T'as raison! Oh, oh mais la belle cabine! On peut pas dire que c'est grand, grand. Ben, on va se serrer les coudes, mon Léon. Un, deux. Oh! Excuse-moi, mon Léon. La grande aventure, ça va être quand on va se coucher, hein? Ben oui, mais faut laisser ses vieilles habitudes quand on est en croisière, hein? Faut vivre au rythme de la vague, surtout pas plus vite. Oh, je me souviens de la croisière merveilleuse que j'avais faite sur le Diablotus. Un paquebot merveilleux. Oh, moi, c'est la première fois que je prends le bateau. Oh oui! Eh bien, il faut que tu visites celui-ci, Violette. Moi, j'adore les paquebots. Je me meurs d'envie de faire le tour pour voir la piscine, le cinéma, la salle de bal, les magasins. Oh. Veux-tu le visiter avec moi? Oh, j'aimerais bien ça, mais il faut que j'efface les valises. Les valises? Mais pas de problème. Léon et moi, on s'en occupe. Oh, Léon! Hein? Violette, faut bien qu'elle s'amuse. Oui. Hein? On est là pour ça. Oh. Oui, c'est vrai. Yeah. Allez, bye! Bon, Léon, on s'installe. Oui. Ah. Ah! Du rince-bouche! Une chose que j'ai oublié d'apporter. Oh, wow! Hé, il y a beaucoup de fruits! Il y a des légumes pour faire une purée, puis du jambon. Ah, c'est vrai, hein?
C'est pas génial, c'est pas ça qu'il faut pour une fête. Hein? Non, ça prend des friandises, des bonbons, des chips. Des... Hey, attends, j'ai une idée. On devrait tous les rappeler pour leur demander d'apporter quelque chose à manger. Tout, sauf des fruits et des légumes. Pas de problème, je fais ça. Oh. Allô? Oui, c'est ici. Oui, Vanessa, Madame Dufort, c'est pour vous. Merci. Oui? Non? Ah non! C'est pas possible! Pas vrai? Bon. Alors, j'arrive tout de suite. C'est ça. Au revoir. Mais il y a quelque chose qui va pas, Madame Dufort? Ah, je suis embêtée, hein? Ma soeur est malade et puis faut que j'aille auprès d'elle, j'ai pas le choix. Oh! Oh, mais vous avez raison, hein? Une soeur, c'est important. C'est embêtant. Je vais être obligée de vous laisser tout seul. Oh! Mais inquiétez-vous pas pour nous, hein? Oh non, même que si on peut faire quelque chose pour vous, hein? Mm-hmm. Oh, je vais essayer d'arranger ça. Allô? C'est moi? Je te dérange pas, là? Bon, écoute, j'ai un service à te demander. C'est triste pour sa sœur, mais c'est parfait pour nous. Ah oui. Hey, on va pouvoir faire notre fête. Oui, oui. Sans que personne s'en aperçoive. Oui, 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 me remplacer. Je sais pas pour combien de temps. Ça te dérange pas, hein, mon petit ours? Oh, certain. Ah, oh, t'es bien gentil. T'es un cœur, mon gros loup. Au revoir. Eh bien, c'est arrangé. Vous serez pas tout seul. Mais on pouvait pourtant... Oui. Non, mon mari va venir me remplacer. Ah. Ah, vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Hein? Ah. Alors, je vais vous laisser, je vais me préparer. Ah oui, mm-hmm. C'est ça. Son mari. Qu'est-ce qu'elle a, son mari? Notre fête, là. Elle va peut-être tomber à l'eau? Je sais pas. Et as-tu entendu comment elle lui parlait, Madame Dufort? Ah oui, mon petit ours, mon gros loup. Hey. Et peut-être qu'il sait pas comment garder les enfants, hein? Il est peut-être aussi gentil qu'elle. On va en faire juste une bouchée du gros loup. Hey. L'air marin. Rien de mieux pour les poumons. Attention. Un, deux. Je viens de finir ma toilette. Je suis rasé, peigné, gargarisé. Je me sens comme un homme neuf, Conrad. Ah, c'est une bonne idée, ça, Léon. Je vais suivre ton exemple. Bon. Oh. Voir si on laisse traîner des haltères. C'est dangereux! Pas de gêne. Léon, j'ai oublié mon peigne. Tu me passes le tien? Ben, c'est-à-dire qu'un peigne, c'est quelque chose de personnel. Ben, excuse-moi, hein. C'est trop tard. Maintenant que je suis bien coiffé, je me demande si je devrais pas me raser. Oh, non, on est en vacances, là. Puis de toute façon, mon rasoir fonctionne très mal. Ah, mais pas de problème. Je peux te prêter le mien. Je pense que je vais prendre un peu d'air. Oh, l'air marin. Ça lave de toute la fatigue du voyage. Léon! Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais? C'est un jeu pour la fête. C'est très simple. Bon, tu vois, j'ai caché des raisins dans la farine, hein? Et là, le joueur doit aller chercher les raisins avec sa bouche, mais en gardant ses mains derrière son dos. Ah, ça va être drôle. Oui. Tu veux l'essayer? Ouais. Ah, oh, moi aussi, je vais l'essayer. Tu t'es pas vu? Tu dois, t'as l'air d'un fantôme. Bon, je recommence, hein? Ouais, oui. Ça peut être mon petit loup de Marie, là. Oh, inquiétez-vous pas, Madame Dufort, on va tout arranger. Ouais, on va tout ramasser nos dégâts. Promis? Ouais. On recommence. Oui. Garde à vous! Attention! Je suis le sergent-major Dufort.
J'ai été chargé d'une mission venant de hautes instances. Monsieur et Madame Brizard m'ont confié votre garde. Et j'ai l'habitude de m'occuper de jeunes recrues de votre espèce. On m'a remis à l'instant copie des ordres à suivre. J'entends mener ma mission rondement. Primo, inspection des mains et des oreilles. Oh, mais ça commence mal. Ça commence très mal. Ouais, ça commence très mal. Ouais, ça commence très, très mal. Léon, est-ce que tu pourrais me prêter tes jumelles, s'il te plaît, un instant? Je veux pas, Conrad, j'ai seulement un fils unique. Non, pas jumelles, jumelles. Jumelles, que comme des jumelles, là. Ah, mes jumelles, jumelles. Mais avant, faut que tu me promettes d'y faire très attention. Promis. Je vais te faire confiance. Ah, mais elles sont peut-être d'une autre précision, mais je vois rien dedans. On t'envoie. Je comprends. Essaie comme ça, ça va aller mieux. C'est ce qu'on va voir. Ah! Là, ça fonctionne. Oh! Hey! Un insecte! Oui, oui. On dirait, oui, oui, un insecte géant. Oh! Il se prépare à nous attaquer, j'en suis sûr. Voyons, mon chou. T'es en train de lorgner une mouche sur la rampe du pont. En tout cas, c'est extraordinaire. Les mouches grecques ont un air assez agressif. On dirait qu'elles veulent nous manger tout rond. Ça, c'est grâce à la précision de mes jumelles, Conrad. Quand on voit trop bien, des fois, c'est pas mieux. Hein? Raptismukinpouchkos. Écoute ça, Violette, je pense que je m'en viens pas pire. Raptismukinpouchkos. Oh, c'est vrai, tu dois avoir l'accent. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mon tailleur est riche. Ton tailleur est riche? Ben, bonne mienne, c'est bien que j'achète mes vêtements tout faits. Ben, continue, mon Léon, hein. Tu vas nous servir d'interprète. Fort. Un mot de six lettres qui signifie immersion dans un liquide. Immersion dans un liquide. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je vois pas, Violette. Je vais aller voir ça de plus près. C'est le manque flagrant d'endurance physique. La longue sortie est un signe de manque d'énergie. Pourtant, il faudra vous y faire, car ce ne sont là que des exercices de réchauffement. Ensuite commenceront les grandes manœuvres. Et après cette mise en forme, il faudra être d'attaque, car il est dit au règlement 5 du Code que les jeunes recrues doivent participer aux travaux ménagers. Et j'entends faire respecter ce règlement à la lettre. Garde à vous! Je somme la compagnie de faire le ménage dans ce baraquement. Allez, tout le monde au travail! Hey, il est comique, hein? Mais moi, je le trouve pas drôle du tout. J'aime pas ça me faire donner des ordres. Justement, je voulais dire à mes parents que ma chambre, c'est ma chambre. Je voulais être libre de choisir le moment pour en faire le ménage. Oh, c'est justement un des règlements que je voulais changer, ça. Tu oublies que c'est notre chambre. Hé! 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 Non, mais il est drôle quand même! Il pense à l'armée! Allez, une, deux, un, oh, deux, bon. Je suis pas un soldat, moi. Ah non, mais c'est pas grave, Robin. Je suis sûre, là, qu'on va pouvoir s'amuser avec lui. Je suis sûre. Garde-vous! Comment? Ce n'est pas terminé? Ce n'est même pas commencé! Je vous mets en garde, les fortes têtes. Je pourrais appliquer la dernière clause du règlement qui dit que toute désobéissance peut être passible de traduction en cour martiale et condamnation. Allez! Au travail, et c'est sans réplique!
Vite, vite, vite. Il faut faire le ménage, on ne veut pas être puni. Avec lui, là, on sait jamais ce qui peut arriver. Oh, il suit les règlements, la lettre. Énerve-toi pas, énerve-toi pas. Moi, là, le ménage, là, quand je le veux, je peux faire ça très vite. Au lieu de faire des discours, vous seriez mieux de vous mettre au travail. Oh oui, hey, les exercices m'ont mis en forme, moi. Allez, vite, au travail! Inspection. Ah, parfait. Excellent. Je vous prédis une brillante carrière au front. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas la façon réglementaire de faire son lit. Jeune homme, vous avez besoin d'une sérieuse leçon. Je ne veux voir aucun pli, aucune crevasse, aucune tranchée. Est-ce que c'est clair? Oh. Hey. J'ai tellement travaillé! Inquiète-toi pas. Allez, je vais te donner un coup de main. Allez, tiens de ton côté. Allez, droit, 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 droit. C'est ça. Oh, moi, je comprends rien là-dedans. C'est toi qui reçois les félicitations, puis d'habitude, tu fais jamais ton lit. T'as raison, Robin. Toi, tu le fais tous les jours. T'as l'expérience et ce major-là te crie par la tête. Mais c'est pas juste. C'est parce que moi, j'aime ça me faire commander. Ça fait changement chez moi. Ah oh, là, j'ai hâte de voir le prochain concours! Ah oui, vraiment? Oui. Mais pas moi. Oh, mon pauvre bichon! L'eau est bonne, mais c'est trop salé. Mais qu'est-ce qui t'a pris de pencher comme ça? Je voyais quelque chose qui brillait sur l'eau. Je pensais que c'était de l'argent. Je me suis penché. Oh, une chance que les sauveteurs ont fait vite, hein? Oh, j'aurais pu faire la planche pendant des heures. Oh, Comment va Léon? Voyons, mon Léon, remets-toi. C'est pas grave. Conrad est sauvé. Mes jumelles, jumelles. Ah, mais t'es chanceux, mon Léon. C'est vrai que tes jumelles sont de bonne qualité. La courroie a tenu le coup. Je pense qu'il faudrait oublier ce petit incident, hein? Qu'est-ce que vous diriez si on allait manger? Bonne idée. Faudrait se dépêcher à aller manger. Moi, j'ai pas tellement faim. Voyons donc, mon Léon, ça te ferait du bien. Bien oui, Léon. Imagine, j'ai vu des pièces monter dans la salle à manger. Oh, y avait des langoustes d'un rose succulent, des brochettes fraîches. Arrête, là, je suis en train de mourir de faim. Le seul problème, c'est que j'ai pas tellement de vêtements de rechange. Oh, Léon, est-ce que tu pourrais me passer quelque chose pour... La meilleure chose que je pourrais te passer, Conrad, ce serait mon maillot de bain. Ah, les patates en frites, en purée, en robe des champs de bataille. Ah, les patates. Mais dans les patates, le major, mon père a jamais écrit que je devais préparer le souper. Hey, as-tu vu comment je vais vite? Je pense que je pourrais travailler dans un restaurant. Silence dans la caserne. Qu'est-ce que c'est que ce branle-bas? L'ennemi est dans le mur. Je pense que je sais qui est là. Moi aussi. Ah ah! Vous n'aviez pas dit que c'était une fête costumée? Silence! Il est écrit ici, en toutes lettres, que la forteresse ne saurait tolérer un envahissement de l'étranger. Mais mon machin, c'est pas pareil, c'est mon frère. Silence! Silence absolu et définitif. Je vais reconduire cet intrus à la frontière pour l'expulser. Oh non! C'est la catastrophe. La fête tombe à l'eau. Je vais être obligée de rappeler tout le monde, moi. Décourage-toi pas. On en fera une plus tard. Mais pour rien, mes parents voudront jamais. Toi, tu peux pas comprendre, hein. Tu peux en faire des fêtes chez toi. Silence! À vos patates! Oh, les patates sautées. Hey, monsieur le major, est-ce que je pourrais aller faire quelques appels téléphoniques? Autorisation refusée. Vous n'êtes pas en permission. Silence! Au moins, avec Madame Dufort, je pouvais parler. Avec tout ça, j'espère que je vais digérer. Mais voyons, mon Léon, c'était tellement bon. Quand je dis digérer, je veux dire digérer la façon dont nos amis, Conrad et Doris, se sont comportés pendant le repas.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, par exemple, tu trouves pas que Conrad y va un peu fort? Il est allé se resservir 3 ou 4 fois des assiettes géantes. C'est certain qu'il a plus d'appétit que toi. C'est un athlète, lui. Et puis les rires sonores de Doris. À chaque fois qu'elle riait des farces plates de Conrad, tout le monde se retournait pour nous regarder. J'étais gênée en biscuit. C'est peut-être normal. Les gens aiment ça avoir du plaisir, alors quand quelqu'un rit, ça les attire. Et puis leurs embrassades devant tout le monde. On dirait avec eux que toutes les occasions sont bonnes pour se donner un petit bec. Ah, oh, c'est vrai qu'ils sont plus démonstratifs que nous, hein? Mais moi, je les trouve amusants, colorés. Tiens, c'est ça. Je trouve qu'ils mettent de la couleur dans notre vie. Oublions ça. Alors, je profiterais bien d'une petite sieste. Les émotions m'ont épuisé. Ah, t'as bien raison. Moi aussi, je fais la sieste. Je pense à Robin, tout à coup. Tu te demandes s'il s'ennuie pas trop de nous? Non, non. Je souhaite seulement que les choses se passent bien et qu'il donne pas trop de difficultés à Madame Dufort. Oui, Lola, tout est annulé. Non, ça marche plus. Mais peut-être, mais pas maintenant, en tout cas. Salut. Oh, j'ai averti tout le monde. On a vraiment fait chez moi, tu vas voir. On va inviter plein de monde. Mais ça sera pas pareil, parce que moi, le rêve de ma vie, c'était d'en faire une ici. C'est une simple inspection de routine pour m'assurer que mes cadets sont bien endormis. C'est le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Oh, t'as une belle voix quand tu le fais, mon bichon. Oh, à l'opérette, on aurait fait tout un duo. Oh, oui. Oh. Est-ce que Léon a trop mangé? Non, parce qu'il ronflerait s'il avait trop mangé. C'est ce qui arrive quand on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas... Se regarder les yeux dans les yeux comme ça, ça... Il va bien trop rire. Chut, je l'ai. Sens-tu que ta faim approche? Je me laisserai pas faire comme ça. Ah! Ah! Ça y est, j'ai gagné! Dors-tu, Violette? Bien sûr que non. Mais moi, j'en peux plus. Je vais les avertir. Attention, Léon. C'est la partie des parties. Je vais la gagner, celle-là. Oh, j'aime t'entendre rire fort comme ça, Léon. Hé, Robin, t'as-tu? Non, je pensais encore à ma fête ratée. Hé, on va aller écouter la télé. T'es folle? Hé, le major vous donnera jamais la permission. On va aller l'écouter chez nous. On va passer par le tunnel. De toute façon, le major ne connaît pas notre secret. Oh, oh! Je peux pas, j'aurais l'air faim, moi, si le major revenait. Mais non, Robin, je suis certaine qu'il s'est endormi. De toute façon, il ne veut pas revenir. Il a déjà fait son inspection. Oh. Ah bon, ça va me changer les idées, hein? Ah. Vous allez pas me laisser seule avec lui? Ah oh, bon, viens. Non! Mais où sont-ils passés maintenant? Ah, oh, peut-être bien là-dedans. Il se passe ici quelque chose d'irrégulier. Oh là là, nos deux amis ne croyaient pas que le major découvrirait leur escapade. Ce n'est pas drôle pour Robin, car ce curieux gardien est encore plus sévère que ses parents. Robin est bien triste. Sa magnifique fête est tombée à l'eau. Heureusement que Stella vit cette expérience avec humour. Comment le major réagira-t-il à la fuite de nos deux amis? Que découvrira-t-il dans le tunnel secret? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Nous avons vu Conrad gagner une croisière en Grèce et inviter Doris, Violette et Léon. Avant de partir, Léon prépare une longue liste de règlements pour la gardienne. Celle-ci n'est pas sévère et Robin décide d'en profiter pour organiser une fête. Malheureusement, Madame Dufort doit partir. Elle est remplacée par son mari, le sévère Major Dufort. Robin doit annuler sa fête. Mais pire encore, le Major découvre le tunnel secret. Qu'arrivera-t-il à nos deux amis? Voyons vite la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Des déserteurs.
Voilà ce que vous êtes, des déserteurs. Mais on ne roule pas aussi facilement le sergent-major du fort. Heureusement, j'ai l'œil ouvert et le bon. Ce qui m'a permis de découvrir le tunnel secret et la fusée nucléaire. Non, non, ce n'est pas une fusée nucléaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est un rapide au tronc. Mais silence! Ah, c'est comme cela que ça s'appelle. Un rapide au tronc. Oh, ah, oui. Ben merci. Les informateurs seront récompensés. Merci. Malheureusement, vous ne me laissez pas le choix. Avec toutes ces choses irrégulières et louches, je dois faire un rapport aux autorités supérieures, c'est-à-dire à monsieur et madame Brizard. Non, non. Silence! Si tu ne veux pas envenimer ton cas, tu ferais mieux de te tenir le corps raide et les oreilles molles. Dans ma carrière, j'en ai brisé de plus dur que toi, sache-le! Ton! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est épouvantable. Faut pas qu'ils avertissent mes parents. Si jamais mes parents apprennent le tunnel secret, ils voudront plus jamais que je vienne chez toi. Et ça, c'est pire que la liste des règlements. Il faut faire quelque chose, Robin, t'as raison. Mais quoi? Quoi? Oh, voilà que les portes me résistent maintenant. Ah, voilà. Bonjour, monsieur. Major. Monsieur Major, je viens faire une inspection des installations électriques. Hein? C'est bien fait, mon brave, fait. Moi, je vais donner un coup de fil. Et vous, vous restez au garde à vous. Pendant que je vais appeler pour télégraphier aux instances supérieures pour leur raconter ce qui se passe ici. Voici précisément les coordonnées du xénophobe Poulos. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut rien faire avec lui. Ah oui, je comprends, mais qu'est-ce qui arrive avec la fête? La laisse tomber. Mademoiselle, je voudrais télégraphier. Il est en train d'envoyer un télégramme à mes parents. Les parents de Robin vont connaître l'existence du rapidotron. Oh, oh, il faut réfléchir. Oh, même si on avait une bonne idée, il nous écouterait même pas, lui. Il faut se demander ce qu'on devrait faire. Il faut trouver des idées. Oh. Plusieurs idées pour choisir la meilleure, car il faut agir au plus vite. Qu'est-ce qu'il y a une idée? Moi, on attache le Major. Mais non, j'en ai une meilleure. Hein? On va en aller dans le fin fond de l'Afrique. Oh, notre première escale. Oh, ça t'énerve pas, toi, Léon? Pour être franc, Violette, je commence à apprécier le bateau. Mais je suis quand même content de faire escale sur une petite île typique. Mais ce qui m'énerve, c'est que j'aimerais savoir où sont passés mes verres fumés. Oh. Tiens, mon Léon, le capitaine m'a donné ça pour vous. Tiens, Conrad, on dirait que vous venez de vous acheter des verres fumés. Ben voyons, Léon, un peu de calme, s'il te plaît. Non, 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 tu ne les reconnais pas, ce sont les tiens. Ah oui, tiens, regardons ça. En as-tu besoin? Mais gêne-toi pas, hein, parce que je peux te les passer. Non, 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 on s'en va juste au gros soleil grec, ça va être aveuglant. Je vais avoir mal à la tête pendant 10 jours, c'est pas grave. Ben comme tu veux, on y va. Bien oui, il est plus que temps, le groupe doit nous attendre. Ouais, ils sont déjà partis, il y a Doris qui nous attend sur le pont. Bon, je le savais. Ben ouais, mais on n'a pas besoin de suivre le troupeau. Là. On va explorer par nous-mêmes. Tu vas voir, ça va être bien plus intéressant. Parfait. Il n'y a personne. Je vais pouvoir fouiller en paix. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Mon dictionnaire. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, oh, vous faites le ménage! Vous parlez français. Dans ce cas-là, comment il fait pour comprendre ce que je viens de lui dire? Mais, comprendre français, mais pas parler. Ah bon? Tiens, t'es encore là, toi? Ah, je suis venu chercher la petite valise à Doris, elle l'avait oubliée. Bon, mais il faut faire vite, le biscuit, sinon on aura le temps de rien voir. Calme-toi, mon Léon. Hein, t'es beaucoup trop stressé. Oublie pas que t'es en vacances, puis il faut que tu te détendes. Mais je me détends. Ben oui, mais tu te détendras pas tant que tu vas avoir le nez sur ta montre. Mais où est-ce que tu veux que je l'aie? Dans le vent. Hein, fais-moi plaisir, là, puis enlève-moi ça. Tout est sous contrôle. Puis Doris a trouvé un beau petit restaurant, le Poisson Bleu. Puis tu vas voir, on va s'en aller là tranquillement, là, sur la coulée douce. Je veux bien essayer, mais je promets rien. Ah. Ah oui, puis vous, là, faudrait pas trop faire de ménage, hein? Parce que si c'est trop en ordre, là, ça va me dépayser, moi. Gâteau, j'avais presque le télégramme dans les mains. Donne l'ordre de rester au garde-à-vous pendant que lui dort. Hey, cette nuit-là, il aurait dû dormir au lieu de venir nous espionner chez nous. C'est pour ça, là, il est fatigué.
Si Rock n'arrive pas à intercepter de télégramme, on est foutu. Et pour moi, ça va être pire que pour toi. Les lois vont se resserrer, là, puis je pourrai plus jamais les changer. Oh, ben, c'est peut-être pas si grave que ça. Hein? Il va finir par partir, le major. On va s'en débarrasser. Mais pour mes parents, eux, un jour, ils vont revenir. Et ce jour-là, là, tu penses qu'on se verra plus? Peut-être. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que notre secret soit découvert. On n'aura plus nos aventures. Le tunnel va être bloqué, puis ça va être fini. Oh. Rock donne pas souvent de ces nouvelles. Pourtant, le rapide drone, c'est rapide. Oh. Peut-être qu'il s'est fait découvrir. Peut-être qu'il a mal programmé, le rapide drone. Peut-être qu'il n'a pas trouvé le bateau. Oh. Peut-être que une musique lui a passé par la tête, là. Puis il s'est mis à composer. Moi, j'en peux plus, je vais aller voir. Faut absolument que je récupère le télégramme. Bonne idée, on y va, on sauve. Faut que quelqu'un reste ici. Ah, d'accord, bonne idée. Reste, moi, je vais y aller. Comment ça, toi? Ben, quoi? S'il y a une personne qui doit rester ici, c'est bien toi. Tu te trouves comique, le major. J'aimais ça, les commandements, au début. Ça faisait différence chez moi, mais là, là, je trouve plus ça drôle du tout. Oh, restons, c'était là. T'as de l'imagination. Non, c'est vrai. Je vais trouver une histoire à raconter au major pour camoufler ton absence. Fais dodo, mon petit major. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi? Il faut que je trouve quelque chose. Oh, oh. Du monde. Je deviens paranoïaque, moi. C'est Rock? Qui est là? C'est moi. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ça va mal, hein? Ton père est parti avec le télégramme. Oh non! Qu'est-ce qu'il a dit quand il l'a lu? Rien, il l'a pas lu. Oh, fiou! J'ai encore une chance. Ouais. Puis si j'ai bien compris, ils vont visiter l'île. Mm. Mais maintenant que t'es là, moi j'ai plus rien à faire ici, je vais retourner à la maison. Non, 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 non! Reste encore un peu. Tu vas m'aider à retrouver mes parents, puis le télégramme. J'ai pas rien que ça. Bon, d'accord. Merci. Fatigant, ça. Merci. Oh. On sent l'air bien comme petit restaurant. Est-ce que c'est bon? Le meilleur de l'île, à ce qu'on m'a dit. Mmh, ça sent bon, en tout cas. Il va falloir que quelqu'un me fasse un dessin, parce que moi, je comprends rien. J'ai pas un dictionnaire pour rien. Des tzatziki, qu'est-ce que c'est, non? Taramo salata. Qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce qu'il y a des souvlaki? Oh, feta! Ça doit être un bête. Du poisson grillé, comment ça se dit? Je ne sais pas. Oh, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver sur la table. Oh, 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 trop, c'est trop. J'en ai assez d'être au garde-à-vous sans bouger. J'ai faim, moi. Je meurs de soif. Oh, j'aimerais tellement ça, avoir des nouvelles de Robin. J'aurais jamais dû le laisser partir tout seul aussi. Garde à vous! Hein? Voyons, ça se peut pas? Oh! Eh non, c'est seulement un jambon. Elle s'est rendue que je vois le major partout. Garde à vous! Ouais, 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 garde à vous. Garde à vous toi-même, gros jambon. Pardon! On me traite de gros jambon, à présent? C'est un outrage à un officier en service. Ton châtiment sera exemplaire. Je vais te casser, et pas plus tard que maintenant. La recrue va chercher sa brosse à dents, et sur le champ, va laver le plancher à la brosse à dents. Allez, en route, on le vit! Oui, bien, bien, Major Jambon. Maintenant, je vais m'attaquer à l'autre petit déserteur. Il est sûrement caché quelque part dans la maison. Des feuilles de vigne farcies. J'étais certaine qu'on était pour en avoir. Ben, c'est presque un mets national. Comment ça s'appelle, là? C'est pas grave, mon Léon. Laisse ton dictionnaire, là. Puis prends du pain. Regarde combien est drôle, ce pain-là. Oh, pita! C'est du pain pita. Ah. Oui, c'est mon pain préféré. Pita quoi, toi? Elle est bonne, hein? Pita, pita. Non, Conrad, pita. Non, c'est écrit pita. C'est une blague, mon Léon. Pita? Pita quoi dans ton assiette?
Puis tu as. Non, pita. Puis t'as. Pita. Puis t'as. Pita. Oh, un air de bouzouki. Que c'est beau. Que c'est beau. Oh, oh, c'est dommage que Robin soit pas là pour voir ça, hein. Excusez-moi, je peux pas résister. Calimero, ton onoma mouine Léon. Il paraît que tout le monde a un sosie, quelqu'un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ben vous, je sais où se trouve le vôtre, votre sosie. Il est dans ma cabine en train de nettoyer. Lâche pas mon Léon. Oh Léon, j'en viens pas comme t'as bien profité de tes cours de danse. J'ai l'ambiance. Le soleil grec réussit. Oh oui. Le repas était tellement, tellement... Grec, Léon. Grec. Et les danseurs. Les danseurs. Oh. Grec, Léon. Et la musique grecque, hein, Léon? Hey, c'est quand même bon de se retrouver ici tous les quatre. Hein? Avec le restaurant à côté. Les ruines en ruines. Puis la mer à nos pieds. Avec le bateau qui s'en va là-bas. Le bateau! Oh non! Ah, mais non, ça ne se passera pas comme ça. Je finirai par mettre la main au collet de ce Robin, et ce, même si tu ne veux pas le dénoncer. Garde à vous! Oh, hey, c'est pas le genre de blague que j'ai envie d'entendre. Bon, je m'excuse, Stella, mais je suis tellement content, là. Quoi? T'as réussi? Oui, mission accomplie. J'ai réussi à mettre la main sur le télégramme avant que mes parents le lisent. Donne-moi ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le major a bien pu écrire. Bon, un nettoyeur Leblanc, un pantalon, 3,99, deux chemises, 6 dollars. Hey, mais c'est pas un télégramme, ça? Oh non! Je me suis trompée de papier! Du calme, mon Léon, du calme. Si j'avais gardé ma montre au poignet, on n'aurait pas manqué le bateau. Calme-toi, le Léon. Je vais trouver une solution. Oh. Hein, Doris, on va trouver une solution, hein? Mm-hmm. Oh! Bougez pas. Ah! Tiens-le. Prends mon parapluie, mes toilettes, mon kimono. La voilà. C'est la carte de mes amis, le cinéaste grec Niklos Papadanassiou. Oh. Il pourrait peut-être nous aider. Le major Dufort finit toujours par mettre le grappin sur les déserteurs. Mais je suis généreux. Et je considère que cet incident est clos. Par contre, je n'ai pas lieu d'être fier de vous. J'ai trouvé un cheveu dans ma purée de patates. Et ça, c'est une faute impardonnable. L'heure est venue de procéder à une coupe de cheveux dont je vais me charger moi-même. Dans quelques instants, j'aurai fait de vous deux cadets à poil ras. Wow! Wow! Un instant, là, hein? Là, là, ça dépasse les limites. Vous toucherez pas à un seul poil de notre tête, monsieur le major en trottinette. Non, on se laissera jamais faire. Jamais, hein, Robin? Parle-lui des règlements. Ah oui. Mais vous commencerez pas à inventer des règlements, là, hein? Depuis que vous êtes arrivé ici, vous lisez de travers tous ceux qui sont écrits sur la feuille de monsieur Brizard. Oui, puis dis-lui qu'il exagère avec ses rapports. Oh oui, puis vous exagérez avec vos rapports, hein? C'est moi qui vais le faire, le rapport. Et aux hautes instances! Oui, mais rien de tout ceci n'est écrit dans les choses à faire, là. Mais... Ah, c'est toi, enfin! Ah, c'était l'enfer, mais ici! Mais voyons, mon petit obu, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Calme-toi, calme-toi, je suis revenue, là, et je vais continuer à l'écarter. Retourne à la maison, va te reposer, oh, je vais me débrouiller tout de suite. Tiens, je te laisse les instructions. Bien, et peut-être même les ciseaux, c'est ton job. Bien, c'est tout.
Bonjour, les chouchous. Allô. Je vous ai apporté des beaux chaussons aux pommes et je vais les mettre au four. Oui. Hey. T'as vu? Ben oui. Hey, je pensais jamais qu'on pouvait l'impressionner tant que ça. Hey, dommage qu'on l'ait pas su avant. Qui dis-tu? Hey. On serait pas laissé influencer là, par ces règlements exagérés. Hé! Hey! Mais c'est merveilleux! Madame Dufort est arrivée, ma fête va avoir lieu! Yeah! Oh! Oh non! Quoi? J'avais complètement oublié le télégramme. Oh. Et mon père va sûrement finir par le lire. Mais le jour qu'il va revenir, lui... Oh. Bonjour, mon bien cher frère, ma bien chère soeur. C'est vrai! Je suis venu bénir votre maison. Il est complètement fou. Qu'est-ce que tu fais là? C'est encore la fête ici? Hey, tu tombes bien. Tu tombes bien, la fête va avoir lieu. Tu peux aller chercher tes boîtes de son. Vous avez bien l'air joyeux, vous deux. Le major est pas là? Non! Non! Oh non! C'est pas qu'il a passé des heures à attacher les 3000 boutons de ma soutane, tout ça pour rien. Ben oui, mais qu'est-ce que tu venais faire ici? Hein? Vous annoncez que le règne du major achevé. Comment t'as fait pour deviner ça? Mais parce que je viens de recevoir un appel de Conrad. Ils sont à l'aéroport et vont être à la maison d'ici une heure. Hein? Mais voyons donc, ça se peut pas. Et la fête! Le télégramme! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh non, pas de panique. Non. Pas de panique. Non. Il faut réfléchir sérieusement. Je suis pas fâchée d'être de retour chez moi. On a beau dire, ça fait du bien de retrouver ces bonnes vieilles pantoufles. Les bagages s'en viennent. Je peux vous dire que j'ai hâte de retrouver ma montre. Sans elle, je me sens un petit peu tout nu. Au fond, t'es un aventurier de salon, toi, mon Léon. Il peut y avoir pas mal d'aventures dans un salon. Pour commencer, tu peux t'enfarger dans une fleur du tapis. C'est bien que je plaisantais, Violette. Mais je dois dire que je regrette pas mon expérience. Ça m'a permis de mieux connaître Conrad. Et puis, sais-tu, dans le fond, il y a bien d'autres façons de vivre qui sont bien bonnes aussi. Et la croisière? Elle m'a permis de vivre des choses exceptionnelles, mon Robin. Jamais j'aurais pensé me retrouver dans un restaurant grec en train de danser le surtaki. T'aurais dû voir ton père, Robin. Je pense qu'il t'aurait surpris. Comment ça se fait qu'il ne parle pas du télégramme? Est-ce que je devrais leur parler de ma fête? Oh non, ça, ils voudront jamais. Pourquoi vous êtes revenu plus tôt déjà? Mais voyons, Robin, on te l'a déjà raconté 50 fois. Oui, mais des détails que j'oublie. Oh, où serions-nous sans l'ami de Doris, hein? C'est un richissime monsieur, Robin. Il nous a ramenés dans son jet privé. Mais toi, mon Robin, on dirait que t'as pas l'air heureux de nous revoir. Oui, je suis heureux, mais... Mais quoi? Oh non, laisse faire. Je veux pas te déranger pendant que tu lis ton journal. Tu me déranges pas, Robin. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est au sujet de la liste, là, des règlements que t'avais laissés. Elle était pas mal longue. Oui. Ben, t'as raison, Robin. On a peut-être exagéré un peu, mais on était inquiets, et puis... Et puis, quand vous êtes à la maison, là, il y a d'autres règlements que j'aime pas tellement. On devrait les changer. Je suis pas mal plus vieux qu'avant, tu sais. Attends donc que je te regarde. Ben, c'est vrai qu'on s'aperçoit pas toujours de ça. Peut-être qu'on prend pas le temps. Mais pour en revenir au règlement, lesquels trouves-tu qu'on devrait changer? Ben, je sais pas, là. Tu sais pas? Ben, je veux dire, oui, je sais. Comme par exemple, faire le ménage dans ma chambre. Je peux le faire, mais pas toujours quand vous voulez. Ce serait à voir, ça. Et puis, les devoirs aussi. Tu veux plus faire tes devoirs? Oui, je veux les faire. Mais des fois, j'aimerais mieux les faire après souper. Je serais plus reposée, plus en forme. Ben, c'est vrai que moi aussi, je me garde du travail pour la soirée. Je pense que je suis pas mal contente du résultat. Mes feuilles de vigne farcies vont être réussies. Savez-vous quoi? Je pense que j'ai une idée. Pas un autre voyage, toujours, on arrive! Mais non! Mais... On pourrait faire une petite réception. Je préparerais des mets grecs et puis... ça serait original, non? J'aimerais ça, moi aussi, recevoir mes amis à la maison des fois. Bon, Violette, tu vois, tu donnes des idées à Robin. Non, non, ça fait longtemps que je l'ai. C'est une idée, là, que j'ai depuis un bon bout de temps. J'aimerais ça faire une fête, puis bientôt.
J'aime ça, moi aussi, avoir du plaisir, hein, puis danser et tout. Je pense que je vais te montrer une danse grecque. Tu pourrais la montrer à tes amis, Robin? Ton père est expert maintenant. Oh. Papa, je passerai pas par quatre chemins. T'as raison, Stella. En prenant quatre chemins, t'as quatre fois plus de chances de t'enfarger. Mais justement, il y a des choses qui devraient changer ici. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Le ménage. Le ménage devrait se faire plus souvent. Le lavage aussi. Parfait, mon capitaine. Je m'en occupe. C'est vrai, papa, je fais pas de blagues, là. Des fois, là, j'aimerais ça qu'on soupe à la même heure que tout le monde. Tu sais, un vrai repas de famille, là. Ce serait intéressant. On pourrait se parler. C'est pas bête, ça. Oui, c'est vrai. Même que j'aimerais ça des fois que tu me dises quoi faire. Mais qu'est-ce que t'as? Je réfléchis. Hein? J'ai une idée. Ah oui? Tu veux que je te donne un commandement? Oui, oui. Tu viens de manger? Oui. Va te brosser les dents. Hein? Ah non. Non, pas brosser. Rouspète pas. Non, pas brosser. Bon, danse, il y a de l'air dans ces petits poumons-là. Je trouve que t'es pas mal vite en affaires. Bon, j'y pensais depuis longtemps. C'est bien beau, ça, mais on s'est pas encore entendu. Mais, vous m'aviez dit que je pouvais faire ma fête. Oh, oui, mais on t'a pas dit quand. Ni le nombre d'invités. C'est important pour savoir combien il faut de biscuits. Bon, papa, je veux à ma fête des pop-corn et des chips. Dérange-toi pas, mon Robin. Souffle. Entrez. Est-ce que Robin est là? Oui, oui, va lui aider à souffler ses ballons. Ah, oui. Viens m'excuser, mes amis. Voyons donc. Pourquoi t'excuser? C'est de ma faute si notre croisière a fini en queue de poisson. Fais-toi pas de soucis avec ça. Je garde un très bon souvenir de la croisière. Mais je me souviens d'un certain hublot, par exemple. Puis c'est l'inattendu qui met du piquant dans un voyage. Oh, une petite feuille de vigne, monsieur la blessure. Ça y est, j'ai la permission pour faire ma fête. Yay! Yeah. Je me suis même arrangée pour faire changer quelques règlements. Mais après qu'ils aient lu le télégramme... Mais ça, là, je comprends rien. Ils m'en ont même pas parlé. Tout ce que je souhaite, là, c'est que ce soit égaré en cours de route. Et ploup, tu étais à l'eau! Ça m'apprendra aussi à vouloir voir plus loin que le bout de mon nez. Mais voyons, qu'est-ce que j'ai là? Mais c'est un télégramme. Avec tout ça, j'ai oublié complètement de lire. Bon, je le fais immédiatement. Rapport aux hautes instances. Stop. Situation irrégulière. Galopin dans galerie souterraine. Stop. Rapide aux neutrons neutralisés. Stop. Urgence de sévir. Stop. Signé le major. Est-ce que c'est ça? Comprenez-vous quelque chose, vous autres? C'était bien adressé à toi, ça? Oui, mais je comprends rien. Je l'ai. Quoi? Ça m'a été adressé par erreur. Je commencerai pas à me faire des soucis pour des rien. Là, tu parles, mon Léon. Fiu, on l'a échappé bête. Ouais! Quelle chance pour Robin. Léon ne comprend pas le télégramme. Mais tout n'est pas encore gagné. Robin, perspicace, profite d'un moment où Léon a le goût de changer ses habitudes pour faire valoir ses arguments. Il réussit à faire modifier certains règlements de la maison. Souhaitons à Robin et Stella une très belle fête. Ne manquez surtout pas de nous revenir pour une nouvelle et palpitante aventure de Robin et Stella.